Ladies and gentlemen, here is MX Trucker, and today I will show you a second map combo based on AMHA Pro, but this time we won't use ROS as we have seen in the previous video, but we will have more classical, should I say, maps. I mean, we will find in this map combo Road to Asia, that is there, and this is here the new part of the map, so you will have to download the current version of Road to Asia. There are many roads here that are new. We will have the grid step, we'll have Road to Haral. This part here is Siber map, here is Volga map, here we have Kirov, and in this part here is Azidem. So this is the difference between this combo and the previous one, that where we were using ROS and Promzona, and we still have Russia with Russian. Not Russian open space, but Rus map. We still don't have Raw extended because there is a city which is called Kozice here that is having issue. This issue is for long now, but maybe mapper, maybe not Arias as he doesn't want to do it, but I don't know, maybe Jerry the Trucker, for example, could try to find a solution, or maybe somebody else, Bozo for example. And it would be fantastic to play MHA Pro, that is one of the most qualitative map, and Raw Extended, that is a very interesting map also in Romania, in Turkey, and playing also the Aidon, AZGE, and Caucasus that we don't have. Maybe it will come in the future. We have here TR extended, Turkey Republic extended, that is extending city of Istanbul in a very interesting way. Here is a map. I was hesitating to show you this map here because it's not qualitatively very high, but the mapper contacted me and asked me to introduce his map, to show it in a map combo. So I'm showing it, but don't be rude with the mapper, is maybe starting or something like this, so everything is not perfect. Just try it, and maybe I will help him in a way, or maybe some mappers will help him in another way to increase the quality of his map. It can be very interesting. Have a look on it. It's a Mountaineer mod. We have other maps. Of course, there is MHA Pro that is there. We're building here the south of Europe, center of Europe. Germany, Poland, of course, still Scandinavia, etc. Also here we have new roads in Ireland, in Great Britain, United Kingdom, I was looking for my words. France, of course, has been rebuilt. And here in South, we will have Eurafrica, so the map I've created. And this is version V3 that even members don't get right now. I'm still currently working on this part to finish it, and then we will reach probably Tunisia, and maybe we will do something between Tunisia and Italy, maybe not exactly in the same way that there is there between Al Jazeera and Fnidek, but I will find something that may be interesting. So here it is for this map combo. Let's have a look now to the load order. Here we have
Canada map file and Canada depth file. I haven't shown it in the map, and you will see it in the left of United Kingdom. You cannot combine it with EAA. So if you want to play EAA, just watch my previous video of MHA Pro Map Combo and replace these two files by EAA if you think it's better. Rhodes version 1.0 Greek Island, then we get the grid step, model 2, model, map, and def. And you have to make a second download for the def file to make it compatible with ROS map version 2.4.2. If you don't do it, you will crash. This is the grid step English city name V2. And then we get Road to Asia assets and model. These two files is 1.1 version. And then we get Road to Asia def and map file, which is 1.1.1. Here is Road to Aral version 2 and Road to Aral caps fix to translate English city name. Here we get CyberMap version 2.1.2. This is the model file, map and def file, and here is this caps fix to translate name in English version 2, done by Jerry the Trucker. Here is VolgaMap model, map, def, and local, and here is also an updated file that you can see on my spreadsheet. So download also the second links and replace the def file. This is MHA Pro 141 part 4, part 3B, part 3A, part 2, and part 1. MHA Pro is a paid mod, and here is a website, and you get session, home, news, video, for example, contact us. And you will find many informations here, for example, for MHA Pro for ETS2, but also MHA Pro for American Truck Simulator. So use this button to pay for the map. And you have here another one, another site where you can register with a valid email address, because Alex will use this valid email to send you the links for the map. You can join also MHA Pro. You can contact Alex on his MHA Pro Facebook page that is there, and as you can see, there are many members, and you will find all the links for these sites on my spreadsheet. You will have links just here, so just click on it and it will open the Facebook group or registration and PayPal page. This is ROS map model 2 version 2.4.2, model, map, def, and then on top we get SZM add-on version 2.4.2, even if it's written 2.4 on the picture. And here we get the Baltic advertisement improvement that will allow you to show Russian, typical Russian advertising on the streets. This is Kirov model file, map file, and caps fix V2. And again, here we see the mouse of Jerry the Trucker. This is Kirov CyberMap fix. On top of that, we get Turkey Republic extended. So this is the city of Istanbul that is increased in a very brilliant way. And here is the model file and the map package file. This is Project Muntenia 5.5 that have to be increased in a quality, but it's not uninteresting map. Just try it, even if there are some things that are not really qualitative. It will maybe give some courage to the mapper to increase it, and he has done it, so he deserves. Here is the map file, and this is the depth file. On top of that, we get EurAfrica. So the one I've shown in the video was the version Alpha 2C. And this version is available for people that are members of my channel and for people who sent PayPal
payment. This is EuroAfrica version 1. And so this version is only for members, and this version Alpha 3 will be available very soon for members of the channel also. EuroAfrica, no ferry. It removes ferry between Algiers and Marseille, so it's optional. Feel free to use it or not. This is Iberia DLC. Portugal fixes an improvement, as the name is describing. So you will have some improvement in some cities and roads all along Portugal. Here is Paris Rebuilt version 3. This is some mods that I'm using. Sizzle's Mega Pack, Route Advisor Mini Mirrors that you can get directly from the workshop. The same for Sizzle Mega Pack. This is a Ural Off-Road mod. It's a truck that I really love and that I'm using. And you can get it on a Facebook group page. Model truck, I don't remember the name, MTJ means it's in Russian. It's maybe model truck group. And we have the address here that is there. You will find it in my spreadsheet. So this is the main file and this is the sound file. This is very interesting also, SCS low load bed cargo unlock that will allow you to play very heavy cargo. Here we get a Vosloo locomotive 62 tons or 51 ton cargo that you can load. And I read the video description, as the heavy cargo DLC is mandatory to play this mod. If you don't have the heavy cargo DLC, don't load it. Here is Realistic Brutal Weather version 6.9 by Cass. It really changed the aspect of the map. The weather is absolutely fantastic in comparison of the vanilla weather, and it's not that heavy to load. So if you get even a computer that is not a rocket, you can try it and you will really enjoy this mod. And this is a long day, a mod that I've created also. A friend we used to make some live stream on Twitch, Papy Gamer to name it, will appreciate in the way that night will come very late in the evening time and sun will be up early in the morning, so we can drive by night. It's an option, of course, load it if you want to try it. This is ETS2 satellite background. You can use the colored version or the black and white version that is there, ETS2 ultimate background. This is crash fix for huge maps combo that I really advise you, because at times you may crash when you will zoom on the map. And this is full screen world map to get 100% sized map on your screen. And I want to give a special thanks to all members of my channel who subscribed to get EuroAfrica map. I was even not thinking that so many people would buy it this way. I want to thank also people who bought this map on one shot through PayPal, and all people who made some donations, sometimes very, very generous, and it really touched me. Thank you for watching this video. Thanks to subscribe to my channel if it's not done. Thanks to give me thumbs up. I will appreciate, and YouTube also. See you very soon. Ciao. Salutations, c'est MX Trucker. Aujourd'hui, je vous présente un deuxième map combo basé sur MHA Pro avec une différence majeure que je vous fais voir d'entrée de jeu. J'ai supprimé Ross et j'ai supprimé Promzona, donc Ross qui se trouve ici. Mais à la place, nous allons retrouver d'autres cartes telles que SZM,
Kirov, Volga Map. Nous allons retrouver ici The Great Steppe, qui monte jusque-là. Nous avons Rotoural, nous avons Sibir Map, et nous allons retrouver également Road to Asia. Donc vous avez ici en jaune la première version de Road to Asia, et ici, nous avons toutes les routes qui ont été ajoutées à Road to Asia pour la nouvelle version. Donc certes, le combo est moins impressionnant, il y a moins de kilomètres par rapport à avant, mais il y a une variété, une diversité de routes qui peut être très très intéressante par rapport à l'autre map combo que je vous ai présenté en fin de semaine dernière. Nous allons retrouver ici Rusmap, bien évidemment. Ici, nous avons un trou, puisque Roe Extended n'est toujours pas compatible avec MHA Pro, du fait d'un crash ici dans la ville de Košice. Alors, il est dommage de ne pas avoir de route connexion, mais Arayas ne veut pas collaborer avec Alex. Alors peut-être que Jerry the Trucker ou Bozo ou un autre mappeur voudra se pencher sur le problème qu'il y a ici dans cette ville et puis nous proposer un RC. En attendant, nous allons pouvoir découvrir ici TR Extended, Turquie Republic Map, qui agrandit notablement la ville d'Istanbul. Et puis une nouvelle petite carte, alors j'ai un petit peu hésité à la présenter dans la mesure où on ne peut pas dire que ce soit une carte vraiment qualitative. Il y a plein de petites conneries à droite à gauche. Pour autant, l'auteur m'a contacté, m'a demandé de présenter sa map. Alors certes, dans ce coin-là, on va voir une route un peu cassée, donc les AI disparaissent, il va y avoir deux trois petites conneries comme ça. Ici, la route s'arrête brutalement et on tombe dans le vide. Mais bon, reconnaissons au moins à l'auteur le mérite d'avoir créé sa carte, accordons-lui d'essayer sa carte, voilà, de regarder, et puis je verrai peut-être avec lui s'il y a moyen d'améliorer quand même un petit peu les choses pour que ce soit plus agréable à jouer. Nous allons retrouver ici, donc là par contre on n'a pas du tout de problème de qualité, la carte de MHA Pro qui reconstruit ici une partie de l'Europe, on va dire du Sud, l'Europe centrale, une grosse partie de la Pologne, l'Allemagne également est reconstruite en grande partie. Dans les pays scandinaves, voilà, toutes les routes, toutes les villes que vous voyez en gris, et encore, j'en ai parcouru quelques-unes, donc certaines sont désormais en jaune. Ici, nous avons le nord du Royaume-Uni, l'Angleterre, la France, l'Italie, une partie de la Corse, de la Sardaigne qui a été reconstruite. Et tout en bas, nous avons ici Eurafrica Map, donc la map que j'ai construite, avec la version 2C qui existe actuellement, donc par rapport à la version 1, la version 2C rajoute toutes ces petites routes qui sont là, et puis la version 3 qui est en cours de construction, voilà, qui reprendra une boucle, et puis ensuite nous rejoindrons la Tunisie. Voilà pour l'essentiel de ce map combo. Allons voir tout de suite l'ordre de chargement. Tout en bas dans ce mode manager, nous allons trouver ici le fichier Canada Map et le Canada Def. Alors je ne les ai pas présentés tout à l'heure sur la carte. Ça se trouve à l'ouest du Royaume-Uni, dans l'océan Atlantique. Rhodes, que je n'ai pas présenté non plus cette fois, c'est une petite île grecque en version 1.0. Nous avons ici The Great Steppe, le fichier modèle 2, modèle map. Et Def, et je rappelle qu'il y a un second téléchargement à faire pour The Great Steppe, puisqu'une mise à jour avait été éditée pour être compatible avec Rusmap en version 2.4.2. Ici, nous avons The Great Steppe English City Name en version 2. Puis, nous retrouvons Road to Asia, le Assets File, ou le fichier Assets, et le fichier Modèle, qui sont en version 1.1 tous les deux. Et puis, le troisième fichier, qui est là, le Def et Map, en version 1.1.1 pour avoir la grande carte en fait. Rotoural qui est en version 2.0 et le Rotoural Caps Fix pour traduire les noms en anglais.
Cybermap en version 2.1.2, nous avons ici le fichier modèle, les fichiers mapedef, et juste au-dessus, nous avons le CyberCapsFix V2, donc là aussi pour traduire les noms en anglais, qui a été mis à jour par Jerry the Trucker. VolgaMap, modèle, map, def et local pour traduire les noms en anglais. Je rappelle qu'il y a un second téléchargement à faire pour avoir la version mise à jour du fichier def pour être là aussi compatible avec RusMap en version 2.4.2. Nous retrouvons juste au-dessus MHA Pro la partie 4, la partie 3B, la partie 3A, la partie 2 et la partie 1. Donc pour ce faire, vous devez soit aller sur le site d'Alex, le site Facebook d'Alex pour discuter avec lui, il vous remettra les liens et la procédure pour télécharger la map, ou alors tout simplement, eh bien, vous allez sur son site web, vous trouvez les liens sur mon tableur, vous vous enregistrez avec un email valide, puisque cet email servira à Alex pour vous envoyer les liens après votre paiement PayPal, puisque c'est une carte payante à 5 euros. RusMap modèle 2 en version 2.4.2, ici le fichier modèle, le fichier map, le fichier def, et nous retrouvons juste au-dessus SZM Addon en version 2.4.2, même si ici c'est marqué 2.4, et le Baltic Advertisement Improvement qui vous permettra d'avoir des publicités russes typiques de la Russie, voilà, dans les rues, édité par Tenovoid. Kirov, le fichier modèle, le fichier map et le fichier capfix V2, là aussi mis à jour par Jerry the Trucker, qui vous permettra d'avoir les noms de Kirov en anglais. Kirov Cybermap Fix, qui est obligatoire, sinon vous allez, il y a des missions qui vont crasher, ou qui ne vont pas se faire, tout simplement. Ici, le fichier TR Extended Model Package, donc la carte de la Turquie qui agrandit la ville d'Istanbul. Et ici, le fichier MAP. Juste au-dessus, nous retrouvons Project Muntenia. Donc, je le répète, la carte n'est qualitativement pas au niveau de MHA Pro, on est bien d'accord. Maintenant, bah, allez, encourageons quand même ce mappeur qui a le mérite d'avoir fait cette carte. Excusez-moi, je viens de faire un double clic. Donc il y a eu le mérite de faire cette carte, allez-y, faites un petit tour, voilà, puis je pense qu'il sera content de voir sa carte ici présentée. Donc le fichier map et le fichier def. Juste au-dessus, nous avons Eurafrica, donc, qui est ici en alpha 3, qui n'est pas encore disponible et qui sera très prochainement pour les membres de la chaîne, pour ceux qui ont souscrit à ma chaîne, qui pour l'instant eh bien, utilisent la version alpha 2C. Donc pour les membres de la chaîne, je rappelle, allez dans l'onglet communauté, sur ma chaîne, et puis vous allez trouver les liens de la map à télécharger. Et pour ceux qui achètent la map en one shot, c'est-à-dire en un paiement de 2,99€ via PayPal par exemple, vous avez toujours accès à la version 1 de Eurafrica. Lorsque la version 3 sera prête pour les membres, et bien ceux qui achètent on va dire en one shot, hein, les non-membres eh bien, auront droit à la version 2 et ainsi de suite. Voilà, je privilégie les membres qui auront toujours une version d'avance, on va dire. Eurafrica, no ferry, là aussi c'est une option, mais voilà, s'ils suppriment le ferry qu'il y a entre Alger et Marseille, libre à vous de le charger ou pas. Iberia DLC Portugal Fix and Improvement, donc qui rajoute et modifie des routes au Portugal ou quelques villes comme Setúbal. Allez-y, c'est assez sympa. Paris Rebuilt en version 3. Ici, ce sont des mods que j'utilise, tels que le Sisol Megapack pour les accessoires cabine, le Route Advisor et les petits rétroviseurs, Mini Mirrors. Ça vous permet d'avoir la navigation en haut du pare-brise. Ça, c'est un mode que j'utilise, donc qui vient de Model Truck Group. On peut trouver leur adresse sur la page Facebook. Vous trouvez ça dans mon spreadsheet, dans mon tableur. C'est un mode payant, mais il y a vraiment plein de camions. Et ils sont plutôt très très bien réalisés. Donc voilà. Donc ici, le fichier principal. Et là, le fichier son. Ici, nous avons le SCS Hidden Cargo, qui vous autorise à
utiliser voilà ce genre de remorque. Il y a une locomotive de 62 tonnes, voilà d'autres cargaisons très très lourdes, et vous pouvez les utiliser un peu plus sur la carte, voilà, puisque ça débloque, comme l'explique l'auteur, ça débloque le jeu, voilà, on pourra en utiliser beaucoup plus. Par contre, il y a le DLC Heavy Cargo qui est requis. Donc si vous n'avez pas le DLC Heavy Cargo, ce n'est pas la peine de le charger. Ça ne fonctionnera pas. Ça risque même de faire crasher le jeu. Realistic Brutal Weather en version 6.9 par casse. Alors là, tout le monde peut l'utiliser. Il améliore vraiment la météo un peu partout. Enfin, pas un peu partout, mais partout. Tout simplement sur la carte, tant au niveau des sons avec les orages, de la pluie, même la texture de la pluie sur les vitres est différente. Enfin voilà, c'est vraiment un mode très très sympa. Il est un petit peu lourd à charger la première fois, mais vu ce qu'il apporte graphiquement, c'est vraiment sympa. Ici, c'est un mode que j'ai appelé Long Day, donc qui est un petit peu comme existait Jour Polaire auparavant, ou le Polar Day de Piva, mais qui ne fonctionnait plus. Alors Long Day, c'est quoi? C'est un mode qui vous permet eh bien d'avoir la nuit qui se couche beaucoup plus tard et le soleil qui se lève beaucoup plus tôt le matin. Donc je pense notamment à Papy Gamer qui fait énormément de live sur sa chaîne Twitch. Bah avec ça, mon papy, tu vas pouvoir streamer beaucoup plus longtemps avec de la lumière. Et puis merci à Sofa de m'avoir remis ça en tête de manière à proposer ce mode. Voilà, il est tout petit, il est très léger. Ici, nous avons le ETS2 Satellite Background. Donc là, par contre, il est obligatoire celui-ci. Donc ici, nous avons la version Ultimate colorée ou alors la version Ultimate noir et blanc. Le Crash Fix pour Huge Map Combo, utilisez-le puisque lorsque vous allez zoomer sur la carte, vous risquez d'avoir des crashs. Donc mettez ce petit fixe, et puis tout en haut le full screen world map qui vous permet d'avoir la carte en plein écran pour agrandir votre carte. Voilà. Je tiens à remercier tous ceux qui d'ores et déjà ont souscrit à ma chaîne, tous les membres de la chaîne qui ont acheté Eurafrica, tous ceux également qui utilisent PayPal pour avoir la version, on va dire, one shot, hein, sans abonnement. Je sais que parfois, avoir un abonnement, bah, ça freine un peu certains. Donc merci à vous tous, parce que vraiment, vous êtes déjà nombreux, très nombreux. Merci également à tous ceux qui m'ont envoyé des dons. Franchement, ça me touche énormément. Il y a eu certains montants, franchement, voilà, je n'y attendais pas. Franchement, merci, merci beaucoup, parce que c'est super sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de souscrire à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci de m'accorder des pouces positifs, les pouces en l'air. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et puis, ma foi, ça fait toujours plaisir de les voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!